Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shooté et on se retrouve aujourd'hui de bon matin parce que pour moi, voilà, je tourne cette vidéo, il est 9h du mat, j'ai pas dormi de la nuit, tout va bien quoi. Les bonnes habitudes. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de notre ami Jim, ouais. Pour enfin bah, continuer Resident Evil. Que voilà, j'avais bien dit lors de la dernière vidéo que je le terminerai justement seulement sur YouTube et pas en stream parce que plus vraiment le temps en ce moment et pas mal de choses qui s'enchaînent au niveau personnel, mais aussi une chose assez importante que je tiens à vous signaler dès le début de la vidéo. Je vais juste attendre pour aller commencer, parce que c'est la vie de terre qu'on va retrouver. En fait, à partir de maintenant, les lives se passeront définitivement sur Hitbox, car en fait, maintenant, je suis affilié avec Eclipsia. Explication, pourquoi être parti de Run Station, en fait, pour faire mes streams, c'est tout simplement la communauté RS, on va dire, en général, qui commençait à me plaire de moins en moins, les bugs de stream aussi. Si vous avez été présent lors de mes derniers streams par Dailymotion ou Hitbox par RS, il y a eu le changement aussi de plateforme pour une station pour les lives. Passe aussi mal. Mais c'est très bizarre parce qu'ils envoient le flux en fait à deux endroits en même temps, donc voilà. Ah, vu qu'il est tôt, je bois mon petit café. Alors, on a, du coup, maintenant que j'ai fait ma petite explication, on va se lancer dans le boss, les amis. Trouver notre ami. Du coup, je vous ai pas montré mon inventaire, mais j'ai fait vite fait quelques petits trucs avant de commencer, dont des balles de magnum. Histoire de rouler un peu sur les boss. Faire toutes les grenades qu'on peut. Putain, danger quoi, carrément. Ah, le mec il rigole que dalle le truc. Il rigole que dalle ce boss quoi. Assez chiant, on va dire, parce qu'il a pas vraiment de propre. À part tout, c'est les couilles. Ah, plus balle. Oh, on se tue sur le même nom. Pas prendre cher. Je sais pas vraiment si je fais tout en même temps. Mais vous le voyez, voilà, j'avais. J'en ai laissé un peu au coffre, j'avais ramassé par-ci par-là des balles de Magnum. Et voilà, là j'en avais plus d'une quarantaine sur moi, quoi. C'est aberrant. Bah, vu qu'on ne peut pas remonter, de toute façon, je vais continuer un peu au même nom, hein, au pire. Ça fera du one shot, c'est pas très grave. Bon, ça c'est comme d'habitude, on a l'habitude dans nos chers Resident Evil. La petite grille, le petit objet du décor qui tombe à la fin du combat, quoi. Histoire de nous permettre de pouvoir sortir, on va dire, de l'arène dans laquelle le boss nous a fait arrêter. Ça va être le sentiment de puissance.
le moindre petit zombie ou water qu'on va croiser. Du coup, je sais même plus quel épisode on est, puisque ça fait quelque temps que je vais pas faire vérifier mes propres vidéos sur ma chaîne. Je sais qu'au niveau du temps de jeu, mais ça va être complètement aberrant une fois rendu au boss de fin. Je vais prendre au cas où, on sait jamais. Un autre de spécial, de toute façon, on va ramasser sur la route. Du coup. Et on est parti en direction de, si je me trompe pas, c'est une usine de traitement d'eau, la zone finale dans ce site. Putain, mais... J'ai un magma, mais je me fais bousiller par les zombies. Allez, je vois rien à l'écran. Donc je voyais rien à l'écran, quoi. Ça va, je suis pas... Au pire, je mets pas sur moi. Enfin, je sais. C'est qu'à cause de tous les sprays que j'ai pu utiliser durant le jeu, surtout face au Nemesis au Beffroi, je vais vraiment me taper un rang mais de merde à la fin du jeu. Enfin, un rang de merde surtout. J'en ai utilisé quelques-uns, bref, cet endroit-là, j'en ai utilisé quelques-uns contre des hunters, si je me trompe pas aussi. Ça va être chaud. J'avais déjà ramassé cette deuxième zone des clés. Voilà, c'est du parc utilisé. Hop là, allez, on jette la clé et on se casse. Direction la zone de fin du jeu. Le pont, alors on va prendre notre ami, ami tentacule, enfin, ami tentaculaire plutôt. La Némésis, un grand coucou copain. Et on va sauter du pont, les amis. Parce qu'en fait, le pousser dans le vide est commencé en haut de la. Voilà, je me suis dit. En fait, c'est une usine de. Non, je l'avais déjà dit juste avant, en fait, tu vois. Simplement que c'est une usine, complètement. Je l'avais dit juste avant. Ouais. On commence en bas, comme ça, ça va me permettre, en fait, de faire la mini-énigme. Passe en bas du labo, en bas de l'usine, directement. Là, je serai plus, je serai tranquille après. Ah oui, faire un Carlos. Putain, mais ouais, t'as un magnum dans les mains, Jill, défends-toi. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Jill. They're going to launch a missile directly into the city as soon as daybreak. En fait. At dawn? But that's only. Et j'ai pas l'impression de venir d'abord. I know. À part peut-être quand je vais parler, vous allez entendre un peu de son télé. Voilà, cette vidéo tournée à la rage. J'avais vraiment la flemme de mettre le casque ce matin. Je sais plus trop où est-ce que ça va ici. J'aimerais bien trouver quand même une petite salle de sauvegarde. Ça pourrait toujours être utile.
tout le nettoyage. Que j'ai un peu, même si la plupart des poudres en fait soit des balles de fusil, soit des balles de pistolet avec, parce que j'ai fait le coup en fait que la plupart de mes poudres je les ai déjà fusionnées, donc c'est un petit peu emmerdant. Je crois que j'en retrouve d'autres un peu. Des balles, mais attends, je suis déjà à l'ascenseur. Écoutez, en fait, que je vais comme ça, au pire, je vais passer à la salle d'eau, ça va vite fait, les gens. De toute façon, moi, pour vous revenir aussi, ça va être une vidéo comme un peu comme l'autre, 30 à 40 minutes grand max. C'est vraiment histoire de terminer tranquillement le jeu. Annihilé comme d'habitude. Ah mais putain, on passe la plante. Le fameux M, on va appeler disque MO. Et voilà, j'aurais été obligé de faire un grand tour, je crois, ou d'attendre que Carlos me déverrouille la porte. Peut-être qu'on a la petite cinématique avec les bottes, quand le rideau va se refermer. Voilà, elle le dit elle-même, c'est inutile de se poser, mais ce connard. De save. Oui, femme de Sophia. Alors. Voilà. Balle de fusil à pompe. Et le 3 avec niveau 2 balles. La plupart des chargeurs en fait. Là j'ai une balle de. Thank you.
Si je veux, je peux faire des grenades, mais je vais faire un maximum de balles de magnate. Magna. Ah oui, il y a le Magnum et le coton avec les bulles. Voilà, 48 balles de Magnum en plus. Voilà. Là, je vais martyriser le jeu. Pas besoin que je suis en papier. Quand je vois que dans RE2 je fais ouais, même pas une scène dans le jeu quoi. Non, je suis pas sûr que je vois que je suis là étendu par rapport au boss de fin. Je suis peut-être vite fait grâce à l'ennemi, mais... Ah oui, énigme chien. Ah, excellent. Oh, mais pas du tout. Parfois. On peut trop galérer, tu avais un mauvais souvenir de pour cette porte. Un mauvais souvenir. Ouais, qu'ils auraient au moins pu utiliser des complètes. Ouais, que c'est. Même plus où est-ce que je vous la rapporte. Sortir.
Je sais plus trop où est-ce que c'est. Bateau, j'ai vite fait. Voilà, ce que je descends en fait c'est que un peu loin dans le décor, je pense. Cache. Voilà, faut que je reproduise la séquence en blanc en haut avec les trois séquences de. Thank you.
Mais non, c'est pas. Ah, fuck. Ah fuck, je vais passer 3 plombes sur cette putain de... Oh, cette putain de... Bénil. C'est quoi? Et je sais en fait. Mais non. Là j'ai 3 barres quasiment au 2, 3 quarts on va dire. Enfin non, au deuxième tiers du truc. Le truc j'ai 3 barres à 2. À part ça j'ai... Thank you.
Et désolé les petits amis, petit problème personnel à régler, je prends même si c'est dimanche matin, hein. Les gens me font chier, ça change pas des habitudes ça par contre, mais bon. De toute façon, réfléchissons pour notre petite équipe, j'en vais profiter pour rouler ma clope, essayer de voir que là, putain, j'y suis presque. C'est le pire. Il se place pas comme ça. Si je galère, il y a vraiment une chose qui est tuée. J'ai dû m'ouvrir une page avec la souris au cas où d'ailleurs. Sachant que j'ai tombé sur ça. Et voilà. Et voilà. Le sait que je peux le laisser comme ça. Alors, désolé pour vous.
Vous allez entendre peut-être les chiens gueuler, les hommes. Ça, je m'en étais. Il y a des vidéos. Je vais pas dire. Ah si, je peux le. C'est. Qu'avec le bébé. Et en fait, l'endroit qui m'embête, c'est l'endroit juste après la petite barre jaune qui est toute seule au plein milieu. L'endroit juste à droite où il y a les trois lignes de couleur. Voilà. Quasiment tout le reste est bon. Attendez. Ouais, j'ai réussi le GG sur cet animal à fond. Passé un bon quart d'heure presque. Pour au final débloquer cette fucking porte. On est parti. C'est du sport, moi. Heureusement que ce que compte même pas speedrunner Resident Evil là, c'est même pas la peine. Deux choses, ce genre de petit énigme à la con, je ne pourrais jamais retenir par cœur, et deuxièmement, Nemesis. Voilà, tout est dit. Le Nemesis. Donc, il est. Sur, voilà, j'aurais pas été en mode facile. Je sais pas combien de fois avant de réussir au B3. Oh, Jean-Michel zombie là. Le sprint. On sort automatiquement de l'ascenseur mais qu'il n'y a qu'un seul étage, on peut l'activer automatiquement. Les développeurs ici. En voyant en plus qu'on est à 40 minutes de vidéo, donc je pense que je vais aller récupérer ça, je vais refaire une sauvegarde et je vais arrêter là pour cette vidéo. Simplement. Elle est où la porte? Putain. Hein?
usine désaffectée. Voilà le nom exact. Personne qui est dans les commentaires. Ah bah. Je suis en... En fait non. En fait non, Anthony. Oui, voilà. Donc en fait, ce sera pour la prochaine fois, ça les amis. On va revoir notre ami Nemesis. Ah, c'est sûr qu'on va devoir faire tomber de l'acide. Et qu'en plus la visée est chiante dans cette salle. Comme ça je le ferai directement. Venez la prochaine vidéo. Une petite vidéo de 45 minutes, même si on n'a pas fait grand chose, d'accord, mais bon, c'est toujours ça. Voilà, on a, tué, on a fait un boss, une énigme, c'est ça. Les vidéos pour revenir. Merde, j'ai pris l'ascenseur, c'est pas dur. Oh mon con. Je vous jure que là c'est pas du tout exprès les amis. Je suis vraiment con. Dans la... Dans la... On va combattre l'ennemi. On va récupérer la... la carte système en question pour prendre l'ascenseur et puis pour pouvoir ouvrir tout simplement le rideau de fer qu'on a vu on a vu se refermer devant le collage juste avant quoi. Ah merde. Putain, je l'ai sur. C'est pas de... pas de boss à proprement parler qui de tirer sur des. Les petits amis, voilà. On fait notre petite sauvegarde. Hop, 21 sauvegardes, c'est vraiment aberrant. Quand je vois le peu de sauvegardes que j'arrive à faire dans d'autres extensions comme le 2 par exemple, c'est vraiment aberrant que j'en fasse autant dans ce moment. Donc voilà, bon, je vois pas pourquoi je m'écoute ça, c'est la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Le petit pas de danse de Jill, comme d'habitude. Hein. Et sur ce, les amis, du coup, bah, merci d'avoir visionné la vidéo. Pour ceux qui l'ont visionné jusqu'au bout, bon, courage de vous regarder faire que des cadeaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les petits amis. Ciao, ciao.